Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, donc en compagnie de Jérôme Charlet, venu nous présenter son coup de cœur de la semaine, voire son conseil de lecture, et qui s'appelle La route bleue de Kenneth White. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous savez pourquoi cet auteur que vous avez rencontré vous a dit pourquoi il avait nommé ce récit de voyage La route bleue, puisque dans la semaine, c'est vrai qu'on a parlé de son concept, le blanc, le whiteout dont il parle à un moment dans son livre. Et pourtant, il ne l'a pas appelé La route blanche, mais La route bleue. Alors, pour moi, à toute origine, la raison de base pour laquelle il a utilisé cette idée, c'est que pour pouvoir aller du Canada au Labrador, il va suivre le Saint-Laurent de là où il est arrivé jusqu'à la source du Saint-Laurent. Et du coup, ce Saint-Laurent, ce grand fleuve bleu, il va en suivre la route. Donc, à la toute origine, je pense que la raison pour laquelle il utilise cette expression, c'est vraiment suivre la route bleue, c'est suivre le Saint-Laurent jusqu'à sa source. Et qu'il l'emmènera au Labrador. C'est quand même son objectif, son objectif de départ et tout le long du livre. Oui. Donc la route bleue, ce serait cette route du Saint-Laurent qui longe le Saint-Laurent. D'ailleurs, à un moment, il prend le train qui longe ce grand fleuve qui s'appelle comme ça au départ, quoi, qui s'appelait pas le Saint-Laurent, il me semble. Il fait référence au livre de Jacques Cartier, où il dit que à l'époque ça ne s'appelait pas le Saint-Laurent, mais le grand fleuve, avec tous ces grands mammifères, où il y avait moult, c'est les baleines. Qui devait être très impressionnant, j'imagine, découvreur du Canada. Totalement. Alors moi, j'ai cru, en lisant son livre, qu'à un moment dans son livre, il parle par le bleu, cette couleur bleue. Il dit « Les signes bleus le remettent sur le chemin profond ». Et quand il est dans des périodes de détresse, alors peut-être c'est vrai que comme c'est un Écossais, ces périodes de détresse, quand il a le blues peut-être, quand il est dérouté, il se raccroche à des signes comme ça, et donc il fait référence à un sari bleu, un jet bleu, une lumière bleue, les fleurs bleues du pavot tibétain. Je pensais que c'était aussi une référence, ce qui n'empêche pas, oui. Puisque... Et c'est à la fois, et dans ce passage que vous citez, c'est vrai qu'il y a aussi les autres lieux. C'est-à-dire qu'il parle du sari bleu de l'Inde. Cette lumière bleue, donc dans le texte, il dit que... Il se souvient, il était en Bretagne et il a vu un jet bleu se poser. À Glasgow, c'était la lumière bleue, le pavot tibétain. C'est-à-dire que c'est aussi cette couleur qu'il retrouve dans tous les lieux où il a justement fait ses pérégrinations. Et donc, il y a un peu de ça aussi. Et vous avez utilisé l'expression du blues. Donc, blues, forcément le bleu. Mais aussi, à la toute origine du blues, on disait... l'une des raisons pour laquelle c'est le nom de cette musique, c'est que les gens racontaient un peu, avec leurs trois accords, ce qui était difficile et compliqué pour eux, leur vie compliquée. Et on leur disait, ben, raconte-nous ton blues. C'est-à-dire, raconte-nous... Tes bleus, voilà. Ce qui est les éléments qui frottent, quoi.
Et, les coups aussi. Voilà, et c'est aussi un peu ce qu'il fait faire aux personnes qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il leur dit, raconte-nous. Raconte-moi ton blues. Mm. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi les différentes choses qui te sont arrivées. Donc il y a aussi peut-être un peu de cela. C'est vrai qu'il est très à l'écoute hein, de toutes ces personnes. Comme je disais, dans la semaine, on a vraiment l'impression qu'il vient, qu'il s'efface un petit peu, quoi. Et qu'il se fait un peu l'intermédiaire. Alors, intermédiaire dans le sens où ensuite, il va retranscrire dans son récit de voyage. Mais même s'il ne se positionne pas du tout comme ça dans son livre, mais il donne la parole, quoi. Il donne la parole, oui, oui. Il doit avoir une faculté d'écoute. Oui. Quand il arrive dans des familles, quand il rencontre, quand il est dans les réserves avec les Indiens, on a l'impression que les gens qui ne le connaissent pas, pourtant, ces Indiens ne le connaissent pas, et pourtant, il leur livre des bouts de vie comme ça. Et il met à l'aise, et moi, comme je disais, j'ai eu la chance de le croiser deux, trois fois. Très vite, il nous met à l'aise, et très vite... On sent que quand on parle ou quand on discute un peu, quand on apporte certaines choses, il nous écoute. Il s'intéresse. Et c'est vraiment ce qui m'avait marqué lorsque j'ai eu la chance de le croiser, qui est qu'il est totalement abordable. Moi, je me souviens une fois aux Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. Il était prévu en dédicace à je ne sais plus quelle heure. Il est arrivé avec 2 minutes de retard parce qu'il avait été arrêté par une personne en route, etc. etc. Moi, j'étais à attendre parce que j'avais vu qu'il arrivait. Donc je m'étais mis au niveau du stand. Et en arrivant, il s'est excusé. Et je me suis dit, non. Et rien que ça, ça dit tout. De cet individu. C'est-à-dire que il est, malgré tout ce qu'il a pu écrire d'intelligence et de beauté, il ne se situe pas dans une haute sphère. Le même jour, et je tairai son nom parce que voilà, 10 minutes avant, j'avais rencontré une autre personne. Pour moi, intéressante, mais bien moins importante que Kenneth White. Et qui se plaçait bien au-dessus. Et que du coup, j'arrive plus à lire cette personne aussi. Parce que j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Mais voir cette personne trôner en importance, en se pensant supérieur au monde, m'a tellement choqué. Que cette personne, je la lis quasi plus. Mais à l'inverse, voir Kenneth White, qui pour moi, lui, aurait pu se poser en majesté, discuter de manière totalement normale avec moi qui passais juste et qui, avec le petit livre, et qui ont discuté de poésie et de tas de choses, c'était un moment incroyable, c'était un moment magique. Et je pense que ça se ressent bien évidemment dans ces récits de voyage, dans tous ces récits de voyage, mais je pense que c'est pas une posture. C'est pas une posture dans l'écriture, c'est aussi la manière dont il vit le monde. Il écrit comme il est, en fait. Il écrit comme il est. Et il écrit tellement magnifiquement que c'est toujours un plaisir incroyable. Alors, moi, il y a quelque chose, là je vais vous faire plaisir, quelque chose qui m'a... vous parliez de liens avec d'autres auteurs, et lui, en fait, puisqu'on disait dans sa besace, il avait quand même amené aussi tous les auteurs qui l'avaient formé intellectuellement... Et dans sa manière qu'il a de se concevoir par rapport à la nature, qui est un personnage à lui tout seul, ou à elle toute seule, je veux dire, dans son récit, ça me fait penser à Spinoza.
C'est vrai que ça me fait plaisir. c'est qu'il faut appeler. Lui disait, il faut dans ces cas-là, il faut appeler Dieu la nature, parce que c'est presque ça. C'est devenu. C'est comme une révélation. On a l'impression que... alors, peut-être que dans ces autres récits de voyage, c'est la même chose. Moi, je n'ai lu que celui-ci. Et on a l'impression que la nature, pour lui, oui, c'est comme une religion, finalement. Alors, c'est comme... plus que comme une religion, je dirais, c'est plus... C'est une... c'est un grand tout que, finalement... les autres appelaient, que d'autres appelaient Dieu. Spinoza dit « Deus sive natura », je parle de Dieu, c'est-à-dire de la nature, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre perfection chez Spinoza que le grand tout. C'est-à-dire que... et donc la nature. Ce qui existe tel que ça existe, c'est la perfection. Il dit c'est l'expression latine qui me vient. par réalité et par perfection, je comprends, j'entends la même chose. C'est-à-dire que pour Spinoza, le monde tel qu'il est dans son plus haut point de perfection. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être amélioré ou être... ou subir les attaques d'une force négative. Mais c'est juste que la manière dont le monde se présente, c'est le mieux absolu dans lequel il peut se présenter. Et c'est vrai que ce rapport de Kenneth White à la nature touche un peu le spinozisme en ce que ça fait que l'homme, que quand on... pousse le spinozisme dans sa logique jusqu'au bout, ça fait que l'homme n'est qu'une partie de la nature. C'est-à-dire dans son éthique, Spinoza explique que c'est un traité philosophique. Alors là, on n'est pas dans un récit de voyage. On n'est pas non là. Plus dans la même accessibilité. On n'est pas du tout dans la même accessibilité. Mais donc il écrit à la manière des géomètres, donc des traités de géométrie. Donc il fait des définitions, des propositions, il fait il démontre les propositions, etc., etc. Et dans la première partie, il dit alors voilà, tout ce qui existe fait ci, fait ça. Petite note. Par tout ce qui existe, j'entends aussi les humains. C'est-à-dire que chez Spinoza, on a vraiment une place de l'homme au sein de la nature. Et c'est en ça, je pense, que Kenneth White peut faire aussi penser à cette idée-là. Et dans sa manière aussi de quand il décrit la nature ou quand les éléments, enfin les animaux qui sont aussi très présents, la nature avec dans toutes les exceptions, avec tous ces mondes, c'est on a l'impression pour lui que c'est parfait. Enfin, c'est juste bien. Tout est à sa place. Tout a sa place. Et tout est à sa place, quoi. Oui, ça me fait du coup penser à un poème que j'aime vraiment beaucoup. Alors, cette fois-ci, pas de lui, mais d'un auteur qui est pour moi très important aussi. En fait, on voit mes obsessions. Hein. Vous voyez, je propose Kenneth White, ça vous fait penser à Spinoza, ça vous fait penser à plein d'autres. C'est étonnant. C'est totalement étonnant. Et ça me fait penser aussi à Walt Whitman. Donc, qui est un poète du 19e siècle. Il y fait référence, d'ailleurs. Il y fait référence. C'est aussi une personne extrêmement importante dans l'histoire poétique anglo-saxon. Mais Kenneth White est un des héritiers de cette lignée-là de poésie. En passant par la Beat Generation, forcément, en passant par plein d'autres. Mais il a aussi ses classiques. Et il y a un poème de Walt Whitman qui s'appelle Miracles, Miracle. Et où il s'adresse en fait à tous les religieux de tout poil, où ils disent,
Il lui dit, ben, vous faites un grand cas des miracles, ben, pas moi, parce que quand je regarde le soleil se lever, ben, c'est un miracle. Quand je regarde le moindre centimètre carré de la Terre avec toutes les plantes qui y poussent, c'est ça un miracle. Ou les petits oiseaux et les insectes qui passent. Mais on est en plein dans miracles. Les miracles de la vie. Il n'y a que des miracles. Donc pourquoi faire un cas de miracle religieux, de faire, etc. Alors que tout est miracle. Et on est là, en fait, aussi. Mmh. On touche à ça aussi. Donc ça confine quand même au religieux. C'est vrai que ça me faisait penser, là on avait l'impression que, puisque moi je le découvrais par ce récit de voyage, mais il a peut-être aussi cette même approche certainement dans ses autres récits de voyage, avec ce même émerveillement face à la nature. Donc du coup le propos n'est peut-être pas aussi juste. Moi j'avais l'impression que c'était comme une révélation, quoi, la nature. Je pense qu'on n'est pas forcément dans la notion de religieux. On est vraiment sur une... Alors, dans religieux, spirituel, dans le sens relié, voilà, c'est ça. Dans le sens, on est relié à la nature, Et voilà. On fait partie du grand tout et on est relié à elle. Là, quoi. Dans ce sens-là, tout à fait. C'était dans ce sens-là, oui, la religion. Tout à fait. Ça n'avait pas le côté oui. Religéré. Voilà. Le côté, on se relie, quoi. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va se relier aussi peut-être... nous aussi, peut-être à une autre émission un jour, à un autre coup de cœur. Hein. Sans souci. J'ai déjà deux, trois idées. Ça, je n'en doute pas. En tous les cas, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Ben, merci de m'avoir... Invité, tout à fait. Et puis, donc, on rappelle ce conseil de lecture, donc « La route bleue ». Mais je pense que c'est aussi toute l'œuvre de Kenneth White, de ce poète écossais que vous conseillez donc aux auditeurs. Merci et puis à très vite. À très vite. Au revoir. La route bleue. Schaefferville, elle aussi a son totem. Un énorme bloc de fer pris entre deux rails. C'est brut, rude et technique. Un endroit rouge et cru, Schaefferville. D'accord, on y trouve maintenant deux hôtels, une rangée de villas pour les hommes de la compagnie et leurs familles, mais cela reste un endroit rouge et cru. Partout de la boue rouge, de la poussière rouge, les restes d'une violation brutale. Au début, il y avait seulement les grands silences gris-bleus du Labrador et des Indiens presque aussi silencieux. Bien sûr, ces Indiens, avec leurs yeux de lynx, ont bien dû remarquer que la terre, ici et là, était plus rouge, utile peut-être pour repérer une piste. Puis est arrivé le père Babel. Pendant qu'il s'évertuait à répandre la bonne parole parmi les pauvres montagnais plongés dans les ténèbres de l'ignorance, le bon père tenait aussi des carnets dans lesquels il consignait les détails de ses voyages. À propos de tel ou tel endroit, il note « Abondant en fer, sable rouge, blanc, métallique. » Non seulement ces Indiens n'étaient pas branchés sur Dieu, mais ils ne savaient même pas que faire de la nature. Ils se contentaient de s'accorder avec elle. Ils ne savaient pas la maîtriser et la posséder. Pour eux, c'était une présence. Mais pour les bons pères, eux, pensaient en termes de progrès. Les carnets de Babel tombent entre les mains de son évêque. Parfaitement conscient de leur intérêt minéralogique, l'évêque les transmet à la Commission géologique du Canada qui, à son tour, dépêche sur les lieux le géologue Lao. Celui-ci parcourt le Labrador de long en large au cours des années 1892-1895 et termine ses investigations par un rapport selon lequel il y aurait là des formations ferrifères pouvant renfermer des millions de tonnes de minerais. L'une après l'autre, les mines se sont ouvertes. La Ferryman, la Redman, la Reti, la Star Creek, la Timmins, et des filons riches en hématite, en limonite, en magnétite, en ilménite, en goethite, en sidérite,
furent exploités sans merci. Dans la terre, de grands trous se creusaient de toutes les couleurs, du bleu au jaune platine en passant par l'ocre rouge, non dépourvu d'une certaine beauté. Les Indiens, qui venaient tout juste d'entendre parler du paradis, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Voilà des gens qui leur parlaient de félicité éternelle et qui s'employaient à faire sauter le sol même qu'ils avaient sous leurs pieds. Mais ils se mirent au travail, comme tout le monde. Le paradis, ce serait pour les jours de paix. On laissait de vieux épouvantails comme le chef Seattle prêcher dans le désert. Pour mon peuple, il n'y a pas un coin de cette terre qui ne soit sacré. Une aiguille de pin qui scintille, un rivage sablonneux, une brume légère, tout est saint aux yeux et dans la mémoire de ceux de mon peuple. La sève qui monte dans l'arbre porte en elle la mémoire des peaux rouges. Que restera-t-il de la vie si on ne peut entendre le cri de l'engoulevent et le croassement des grenouilles autour de l'étang pendant la nuit? C'est la fin de la vie et le commencement de la survivance. Ta voix se perd dans le vent, vieil homme. Aujourd'hui, quand on marche dans les rues de Schaefferville, on entend une détonation et on sait que 3000 tonnes de rochers, 3000 de plus, viennent de sauter. Des hélicoptères planent dans les airs comme de grosses libellules pendant que de lourds tracteurs à chenilles s'enfoncent dans la nature à la recherche de nouveaux filons. Libellules, chenilles, l'impression de vivre dans un étrange monde d'insectes géants, d'avoir défoncé une termitière et l'on regarde avec dégoût tout ce grouillant affairement. Une ville en pleine expansion, une boom town. On n'y trouve plus les baraques en tôle ondulée de l'époque héroïque, les logis communaux et le célèbre Labrador Pioneers Club dont parlent les vétérans. Des familles se sont installées ici. Il y a une salle de réunion, une piscine, une école, une bibliothèque, tout pour rendre la vie heureuse. Ouais, on peut se faire beaucoup de pognon et jouir de la vie. C'est ce que promettent les dépliants publicitaires, et ils disent vrai. Peut-être que par moment, mais par moment seulement, cela ressemble plus à une vie entomologique qu'à autre chose, et on peut, les femmes surtout, souffrir de claustrophobie à en perdre la boule. Mais il y a des avantages, aucun doute à cela. Et si l'on veut respirer, on peut toujours revêtir sa détresse d'un costume de ski et aller glisser le long des pentes de Old Smoky Mountain, la vieille montagne blanche qui endure tout cela avec un rictus glacé. Citoyens de Schaefferville, la compagnie vous aime et la compagnie prendra soin de vous. Elle sera à vos côtés depuis l'heure de votre naissance jusqu'à celle de votre mort. Depuis l'aurore jusqu'à l'heure où le soleil se couche. Boum. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un assez de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.